Le père, on appelle cette thé là quoi? Bangalips. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. You are my fils, you are my son. In the now, tomorrow and after tomorrow. Qui peut me parler de cette dame? Moi. Oh, calmez-vous. Une seule personne. Moi. Le père là au fond. Papa. Non, pas toi. C'est lui qui est juste derrière toi là. Qui ça? Ivana. Hein? Qui? J'y pointe Rémi Ngono. Hey! Non, la mère, calme-toi. Et surtout, arrange-toi bien rien. Ivana. Oh, grand, doucement. Attends, je te pose au moins les questions, non? La femme qui a introduit la vidéo là, comment on l'appelle? Ivana, chef d'État. Ah, ok. Qui est donc Ivana, chef d'État? C'est un véritable cas. Comment ça? Moi, je comprends rien. Parce que Ivana, chef d'État, est cette fille qui a commencé à vendre des crèmes éclaircissantes. Hein, papa? Bah, grand, calme-toi. On ne parle pas encore de toi. Continue, tonton J. Et par la suite, elle s'est réveillée un matin pour raconter aux Camerounais que sa grand-mère qui serait morte est revenue entrer en elle. Hey! Sa grand-mère avait quoi? Et du coup, elle est devenue celle qu'on appelle Ma'alam. Ou bien l'incarnation de la spiritualité. Ouais. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? C'est vrai. Tonton JP, elle est capable de quoi au juste? C'est celle-là qui fait des voyances. C'est celle-là qui soigne toutes les maladies. Jésus! Quoi d'autre? Qui peut faire qu'on vous embrasse même si vous ne vous êtes jamais brossé les dents? Oh, yaya! Arrêtez vos histoires là! Qui peut vous faire aller au paradis à pied? Imaginez un peu. Qui peut faire de telle sorte qu'un homme, même si vous ne vous lavez pas, soit scotché sur vous? Vraiment, c'est malheureux. Qui peut faire que vous puissiez retrouver de l'argent? Donc, c'est elle qui soigne tout ça. Selon ce que Ivana, chef d'État, dit. Ah! Au revoir! Ouah, grand, c'est même comment, non? Bon, parle-nous un peu de ce monsieur avant qu'on ne continue. Ce qui est très grave, c'est que Ivana s'est attaché les services des personnalités que les gens respectent ou bien que les jeunes suivent. Qui ça? Tel que Fingon Tchalala. Tu dis qui, grand? Tel que Fingon Tchalala. Et ça va péter. Ah? Il a fait quoi? Un comédien comme ça qui a une page Facebook. Il a donc fait quoi? Eh bien, Ivana se lève un bon matin et dit, j'ai trouvé les produits qui vont faire que un homme, tu vas retrouver la virilité. Bing, bing, bing. La virilité comment, grand? Bing, bing, bing. Comment? Bing, bing, bing. Quoi? N'importe quoi. Et le problème de ce tonton à quel niveau? Et c'est le ventre fessu, maflu, joufflu. Hein? Qui? Fingon Tralala qui fait la publicité. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? Je m'interroge. Papa, moi je m'interroge. Il part engrosser une fille qu'on appelle Noël Kemonye, une comédienne là qui joue avec Mentumba. Et ferme ta sale bouche. Non, pas Kepom, laisse-le continuer. Et il vient se présenter à la télé. Hey! Devant les réseaux sociaux. Et il dit quoi, grand? Il dit, comme vous voyez là, la grossesse-ci, c'est grâce au thé que j'ai bu, un nouveau thé. Hey! Oh, mon général, calme-toi, ton tour arrive. Maman! Tonton J. Elle vend ce thé à combien? Le thé là, c'est 15 000, 25 000, 20 000. En montant, hein. C'est pas possible. C'est quel genre de pays? Et comment on appelle son thé là? Et on appelle le thé Bangalips. Le père, on appelle ce thé là quoi? Bangalips. Oh. Yeah. Bangalips. Ouah, Makoso, calme-toi, j'ai dit ton tour arrive. Moi-même. Non, je crois pas, non, c'est faux, c'est buzz. Non, tu dois croire, mon général. Elle doit avoir certainement d'autres thés. L'autre thé s'appelle Nias Moi. Quoi? L'autre thé s'appelle Nias Moi. Jesus is not. Seigneur. Nias Moi comment non, mon grand? Nias Moi bien. Jésus! Pause publicitaire! Voilà, juste une précision. Depuis quelques jours, je fais la publicité d'une entreprise au nom de Gigi Gini Service. C'est une erreur de ma part, je suis vraiment désolé. L'entreprise s'appelle Chefa Darmeta Console Dancing. Gigi Gini Service appartient à la même personne, sauf que c'est spécialisé dans le nettoyage. Donc, c'est une erreur de ma part. Chefa Darmeta Console Dancing.
C'est cette entreprise-là, si vous désirez faire des études en Afrique du Sud, pour ceux qui veulent voyager, aller faire des études à l'étranger, pour ceux qui veulent aussi acheter des villas ou bien acheter des maisons à l'étranger. Et encore, ceux-là qui sont en train de préparer leur thèse de doctorat ou de master, ils peuvent vous aider à écrire votre thèse. Donc voilà un peu, c'est un ensemble de docteurs. Ils sont basés aux États-Unis. C'est du sérieux. J'ai même exigé leurs photos et l'agrément que l'État américain les a donné pour opérer ce service. Voilà, vous pouvez consulter le document autorisé par l'État américain. C'est un groupe de docteurs en fait. Et le Camerounais parmi eux s'appelle Docteur Tchengan, que vous voyez en photo. Donc, contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Tu disais que ces produits-là s'appellent même quoi, grand? Nasse-moi bien. Et l'autre? Bangalux. Moi-même, je suis assis par terre. Non, je crois pas. Tu ne crois pas quoi, grand frère? C'est gâté. C'est chier. Il y a ta bouteille sort dedans. Tonton GP, tu entends ce pasteur? Tu vas voir. Quelqu'un quitte même la Côte d'Ivoire. Oh, me voici, oh. Je suis ceci et cela. J'aime trop le Cameroun. Et tout. On l'appelle au pasteur qui là où ma Kiko, quoi. Je ne parle même pas de lui. Non, tu as déjà commencé. Il faut seulement finir. Maintenant, il fait les campagnes d'évangélisation au Cameroun. Ah! Il est prophète. Il faut voir comment les Camerounais sont couchés là-bas, comme chez Ivana, chef d'État. C'est ton maudit matin, midi, soir. Puis il fait le Makosa ou quoi, son nom est même quoi là. Mais il vient. Quelqu'un vous dit qu'il va vous soigner. Qu'il va vous dire ce qui va arriver dans votre vie dans 100 ans. Tu as dit ça. Vous-même, vous croyez en ça. Donc, vous allez vivre dans 100 ans quand il vous dit ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu quand sa femme allait mourir? Oh, mon grand, pardon. N'exagère pas aussi. Sa propre femme qui disait qu'elle est prophétesse est morte. Et vous repartez lui donner de l'argent. Et toutes ces choses, les églises, les faux prophètes, les marabouts affluent au Cameroun parce qu'il a laissé aller. Non, ça va comme ça. Parlons plutôt de notre sœur. Quand elle dit, je suis partie assister au colloque des malames au Bénin. Et puis je suis revenue avec des super grands pouvoirs. Appelez-moi, on l'appelle. Qui a déjà eu à appeler cette dame grand? Sur les réseaux sociaux, je vends l'huile qui va faire que tes chances reviennent que tu puisses trouver le mariage. Je demande donc qu'elle a déjà trouvé le mariage à combien de filles? Oui. Elle a escroqué des gens. Bon, elle a déjà escroqué qui? Tel que le vieux papa Kamga Henry. En quoi faisant? À qui elle a dit, bon, tu as 4 filles, n'est-ce pas? Donne-moi tout simplement un peu d'argent là. Ces huiles là, c'est avec les parfums, c'est 100 000. Hein? 400 000, elle prend. Pourquoi faire? Le gars lui donne de l'argent et hop. Elle met dans la poche. Elle dit, va tout simplement dire à tes filles de se moindre avec l'huile là. Et dans une semaine, elles vont se marier. Mais certainement, ces femmes-là sont déjà tous mariées, non? J'ai été contacté. Pourquoi? Parce que ces filles ne se sont jamais mariées. Godness! Même les gars qui les dragons fuient. Les voilà, ils se retrouvent là aujourd'hui et disent que, wow, Ivana, chef d'État. Ivana les a bloqués. C'était juste un moment de divertissement. Si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur la page. Partage et mets les likes. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Okay. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.